Bonjour à tous et à tous. Bonjour ou bonsoir. Enfin, bonjour. Bienvenue dans ce chat show nommé The Saturday Complete Show. Et donc, nous sommes les présentateurs, dont moi, Natacha Andriani, et JP, donc Jean-Pierre. Coucou tout le monde. Donc, on va accueillir donc les chroniqueurs. Donc, on a un public de fous. Et donc, c'est juste un petit truc à dire. Pour SSP65, ce sera également le plateau de SSP65. Pourquoi? Parce qu'il y a bien la place. Donc, on va aller dans la petite partie à côté. Qui est, je trouve, très bien. On y va. Allez, on y va. Car c'est ici que on va faire nos chroniques. Donc on vous présente un petit peu, bien sûr. Ici, ce sera la pièce où on va faire les chroniques. Donc c'est ici que se mettront les anciens candidats et les invités. Et sur le plateau, donc pour SSP. Hein. Et ici, c'est le plateau. Donc le plateau qui ne servira à rien pour cette émission, mais pour SSP, ça servira. Étant donné que je présenterai. Et ici, le public de fou avec la scène de toutes les couleurs. Et oui, car regardez ça. C'est sublime. Maintenant, nous allons nous mettre là. Mieux installer la table. Nous allons donc maintenant accueillir les chroniqueurs. Donc, tout d'abord, le premier chroniqueur, dont la chronique s'intitule « Ben, à toi, Jean-Pierre, de dire ça. » Exactement. Donc, nous allons tout d'abord accueillir Sacha Elio qui s'est marié avec Rachel, du coup Sacha Parmesano, qui va donc nous dire sa chronique. C'est parti! Ouais, coucou public, coucou! Coucou tout le monde! Sacha, quelle est ta chronique? Ma chronique est débrief de la semaine. Très bien. Maintenant, nous allons accueillir Amaris Surflet et Inès. C'est parti. C'est parti. Amaris Surflet et Inès. Wouhou! Coucou! Ouais. Moi, c'est Inès. Et ma chronique, c'est Interview de la peur. Et moi, c'est acting ou pas. Donc, en fait, je dis si les candidats ont du potentiel pour la comédie ou pas. Parce que, comme vous savez, j'ai joué dans Mystère et dans plein de films. Donc, dans Mystère, mon rôle, c'était une fille qui s'appelait Jennifer. Et qui était, voilà. Donc, vu que j'ai beaucoup de potentiel, voilà. Salut! Et vu que moi, j'aime bien interviewer les gens, voilà. Et maintenant, accueillons les deux dernières. Rachel et Sabrina de SSP. Donc, Sabrina, pardon, de l'ami de la nature. Coucou! Donc, moi, c'est Relooking ou Wonderful. Et moi, c'est Sabrina Critique. On va venir aller sur le plateau. Oui, venez sur le plateau. Donc, vous êtes installés et c'est très bien. Et on va peut-être changer de... Non, pas ça, pas de sauce. Alors attendez, on va trouver... Bon, très bien comme ça. Donc, dites en quoi constitue... est conçue votre chronique. Moi, je dis si les gens ont du potent... On me propose des personnes. Donc, on me proposera du coup à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6... On me proposera 6 personnes. Je dirais si ces 6 personnes-là ont du potentiel ou pas pour la comédie. Moi, c'est l'interview de la peur, c'est simple, il y a un invité qu'on verra tout à l'heure arriver, et je vais devoir l'interviewer. Moi, ma chronique, c'est débrief de la semaine, je vais devoir dire ce qui s'est passé dans la semaine, les nouvelles télé, réalité, etc. Moi, c'est Sabrina Critique, donc on va me proposer, pareil, 6 candidats, et je vais les critiquer, dire ce que j'en pense. Et moi, c'est Relooking Wonderful. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y aura une personne qui va venir. Si les chroniqueurs et vous,
c'est Wonderful. S'il y a plus de choix en Wonderful, eh ben, elle n'est pas relookée. Donc en gros, elle est belle. S'il y a plus de choix en relooking, eh ben, je la relook. Bien. Au début, donc bref. On va donc accueillir donc l'invité. Qui s'agit de, on va l'accueillir avec Jean-Pierre et moi. C'est pour ça, c'est à ça que sert le petit fauteuil qui est là. Nous allons l'accueillir. Elle est là, elle est belle. Elle est là. Et c'est Constance Margot de SSP 61, la sauveuse de l'Angleterre. Bonjour. Oh, Constance qui s'est ratée. On est en direct, désolé. Hein. Constance, venez. Commentez avec le hashtag Constance c'est la thé. Coucou, ça va Constance? Oui. Coucou Inès, Coucou. Coucou Rachel, coucou JP. M'assois là. Oui, assis-toi là. Donc tu vas nous voir directement là-bas parler. Donc, assis-toi bien. Et on va parler, du coup on va faire la première chronique, celle de Rachel. Alors elle est là, elle s'appelle Sandra. Vous allez me dire si c'est relooking ou wonderful. Bonjour, je m'appelle Sandra. D'accord, donc pour moi déjà c'est relooking direct. Je suis franche donc je vais y aller cash. T'es moche. C'est quoi ton fond de teint que tu t'es mis? Ah, je me suis trompée, j'ai mis du vernis à ongles à la place. Oui, bref, tu t'en es mis sur ta peau, c'est moche. Ta coiffure toute frisée, horrible, non, désolé. Et franchement, serviette de mon main en guise de robe, non, non. Te balader des pieds nus et tout. Désolé, sorry. Mais c'est un non, c'est un relooking. Bah, pareil, en fait, c'est un relooking. Voilà, moi je suis mannequin. Désolé, je vais pas me vanter, hein, Rachel. Non, mais t'inquiète pas. Je suis mannequin. Voilà, je connais les bases. Franchement, c'est un relooking. Moi, non, je suis désolée, je n'aime pas. Voilà. À la limite, la coiffure, ok. Même si c'est tout emmêlé, t'as plus de coupe, faut te recoiffer. Mais non, non, en fait, c'est juste ça, quoi. Non, c'est relooking. Je vais pas juger à l'apparence physique, parce que je suis pas comme ça. Mais juste pour les cheveux, en fait. Vraiment, les cheveux et l'accoutrement, c'est pas vraiment ça, en fait. Tu dois avoir froid l'hiver. Ah oui, j'ai très froid, mais faut souffrir pour être belle. Ben là, tu souffres et t'es moche, donc voilà. Moi, voilà, je vais y aller cash, je suis désolée. Voilà, tu seras jamais comédienne, parce que en tant que comédienne, faut que tu aies un minimum de potentiel. Moi, je le dis, c'est pas wonderful du tout, c'est relooking. Bien, je vais la relooker. D'accord. Donc, bah, vu que c'est du direct, on va passer à la chronique de. Alors, attendez. On va passer, allez, tout d'abord à la chronique de Sacha, qui est débrief de la semaine. C'est parti. Alors voilà, donc mon débrief de la semaine. Donc, sur Plimo Compète. Une nouvelle émission est apparue, ça s'appelle The House of the Duo. On peut pas vous montrer quelques images. L'épisode 4 a été publié ce matin. Il est super, le montage a été fait par Je Commande Plumeau. Donc vraiment, si tu passes par là, dédicace à toi. Montage au top par Je Commande Plumeau, bien sûr. Vraiment, j'adore cette émission. Il y a Jade qui enfin montre sa vraie identité, parce qu'avant c'était du jeu, c'était de la comédie. Et franchement, vraiment, je trouve que c'est un bon personnage. Théo, franchement, il montre une image de lui qu'on n'a pas vue. En fait, dommage qu'il participe à SSP 63 et qu'on l'ait vu comme ça. Parce que sinon, c'est quelqu'un de très sympathique. Parce qu'on l'a vu dans un SSP. Pas SSP 1, un autre. Qui a. Voilà, où il a fait vraiment un grand, grand succès. Il a été en couple avec une Aurélie, qui a les cheveux noirs. Qui est très sympa d'ailleurs, qu'on ne voit plus. Bref. Voilà. Donc, ça, c'est mon débrief. Donc, il y a eu 4 épisodes, vraiment super. L'équipe blanche a été éliminée. Il y a eu donc de constituée de Julie et Nicolas. Une nouvelle équipe est apparue, donc c'est l'équipe blanche encore, constituée de Nathalie et Jimmy. Donc, Jimmy qui avait participé à une saison de SSP, c'est un vrai focus ce mec. Donc, dites-vous ce que vous en pensez de Jimmy. Moi, je vais y aller cash France, parce que je suis franc. Je déteste Jimmy et Nathalie. Voilà, vraiment, Nathalie.
Nathalie, à la limite, ça va. Mais Jimmy, non. Moi, bah, comme je l'ai dit, je les déteste. Moi, franchement, je déteste les genres de personnages comme ça, là, qui font des coups montés et tout. Moi, franchement, je déteste les deux, vraiment. Je déteste les deux. Pour moi, aucun potentiel en comédie. Ok, ils sont eux-mêmes. Mais à un moment donné, faut arrêter de faire chier les gens. Et puis voilà, quoi. D'accord. Pour moi, ils sont pas bien dans leur peau, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils font chier les gens, à longueur de temps. Ensuite, on a eu le Social TV bref, plus on va bas, donc voilà. Je sais pas, bon là, à l'heure où on tourne, je pense pas que c'est publié, c'est pas encore, enfin, c'est pas encore publié. Il a même pas été encore tourné. Donc voilà. Franchement, je suis pas fan de, enfin voilà, je suis pas fan de cette émission parce qu'il y a trop de clashs, il y a trop de parties et surtout, il y a trois parties. Je suis désolée, il y a carrément une partie, on n'a pas vu la suite, il dure 2h15, on n'a vu que 50 minutes. Non, vraiment, j'adore le Social TV, mais là, le dernier épisode, mais c'était nul, hein, vraiment. Là, je le dis. Voilà, moi, j'aime pas cette émission, voilà, je vais être franc, direct. Je n'aime pas cette émission. J'aime bien les chat shows, mais là, il y a trop de chroniqueurs, trop d'invités, c'est non. Non, 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 non. Moi j'aime bien, ça va parce qu'il y a Élise dedans, mais bon sinon c'est un peu énervant à regarder, j'avoue. Moi honnêtement, je connais pas cette chaîne en fait. C'est quelle chaîne? Playmo Baba. Ah oui, on m'a parlé de cette chaîne, mais en fait je connais pas, je suis allée jamais dessus. Ouais, bon en fait je connais pas, donc je peux pas juger. Et sinon après, ben il y a eu d'autres, ben voilà. Après il y a eu Je commente. Ah non, comment il s'appelle? P8, P8, P8. Donc c'est le dernier débrief. Félicitations pour Secret Time. Donc voilà. Et je commande Playmo. Bon, lui, toujours tutti quanti, quoi. Toujours les petites. Toujours les. Comment on appelle ça? Les tops, etc. Vraiment super, au top, j'adore, on adore tous. Ouais, j'aimerais bien passer dans un de ces tops, mais bon. Tant pis, tant pis. Ouais, voilà, bref, on s'en fiche. Désolé. D'ailleurs, merci beaucoup à lui de m'avoir fait passer dans un de ses tops de plus gentil, mais franchement, je suis pas très sympa, moi, hein, quand on me connaît bien. Oh, si t'es franchement, t'es sympa. Hein. Mais bon, bref. Voilà, c'était pour ma chronique. Bien, Rachel, je pense qu'elle va réarriver. Qu'elle aura fini. Coucou, j'ai fini, alors êtes-vous prêts à l'accueillir? La voici! Coucou. Alors, on. Coucou. Alors on lui a mis déjà du mascara plus. Elle aimait bien le frisé, du coup en fait on lui a rajouté, on a lissé ses cheveux, puis rajouté des extensions un petit peu frisées en bas. Puis on lui a mis une robe qui allait mieux avec sa couleur. On a mis du vrai fond de teint, je vais le vernis et tout ça. Ah, là c'est un wonderful. Ouais, là c'est un wonderful. 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 Et vous, le public, c'est wonderful! Wonderful! Parfait! Bon, mais merci, au revoir! Au revoir! Je peux aller dans le public. Oui. Bien. Rachel, tu peux te mettre. Oui. Bien, maintenant, on va passer à la chronique de Amaris. Coucou! Ok, alors moi je vais te proposer. Qui est-ce que je vais pouvoir te proposer? Alice de The House of the Duo. Alors cette fille, pour moi, je l'adore, mais voilà, je l'adore. Mais non, pour moi, c'est un non. Elle n'a pas de potentiel. Donc, acting ou pas, ben là c'est pas. Là, c'est pas acting, je suis désolée. Je l'adore, mais elle a pas de potentiel en comédie. Pour moi, elle fait pas de comédie, cette fille, non. Aucun potentiel en comédie, elle ferait pas de comédie. Pas du tout. Alors, maintenant, je vais proposer, moi, personnellement, Nolan. Ben, en fait, pardon, excusez-moi. Tout le monde sait que Nolan adore le théâtre, adore les films, et adore tout simplement la comédie, le théâtre. Et franchement, j'ai vu des petits trucs de scènes de théâtre qu'il a faites. Franchement, il joue très bien la comédie, donc. Alors là, c'est complètement un acting. Voilà.
Après, il y a des rôles qui ne seraient pas joués, mais voilà, c'est un acting quand même. Jade, alors là, c'est un acting. Cette fille, elle joue dans un film, mais elle sait faire tous les rôles du monde, quoi. Moi, dans Mystère, j'ai quand même un petit peu de mon caractère original. J'ai juste la partie un peu extérieure qu'on voit, mais voilà, sinon c'est. Voilà, c'est. Voilà. Mais elle, vraiment, elle peut jouer tous les rôles du monde. SS64 vs The House of the Duo, Todd.